a mis 200 ans pour traverser la France. Pour arriver à Paris. 10h du soir, Denim. Non, il n'est pas encore à Paris. Ouais, c'est ouf. Tout va bien. Parce que son nom est Migron, c'est pareil. Macron est Migron. On va les chauffer comme ça, là, comme ça, il va faire. N'importe quoi, derrière. On essaie d'avancer ou quoi? Dada en mode reporter. Ouais. Et moi donc? C'est parti, bah on y est, hein, voilà. Reporter mais pas en direct moi. Ouais. Reporter, reporter en différé. Voilà, c'est ça. Voilà, toi t'es reporter en différé, moi en direct. Le Macron. Le Macron. Le Macron. Non, le Micron. Ça s'appelle le Micron. Micron. Le Micron. Le Micron. Tu vas chauffer Micron. Parce qu'un Micron, quand tu veux chauffer manger, si le marché est froid, tu ne peux pas manger. Donc, bon, nous, on doit le chauffer. Pour l'instant, c'est lui qui nous chauffe. Ah, mais ouais. On va se chauffer. Parce que. Mais, on va chauffer. Quand on a trop de taxes, c'est pas bon. Hein? Ouais. Il faut trouver une autre solution pour activer la ville. Regardez. Bon, donc là, on se dirige vers l'Arc de Triomphe. Écoutez, je me suis agenouillée devant un camion à eau, devant les CRS. Et puis, je me suis agenouillée, il n'y a rien d'autre à faire. Je voulais pas bouger. J'ai pas bougé et je m'en suis pris plein la tronche. Alors là, ici, à 200 mètres de l'Elysée, c'est la vie normale, tu vois. Et là-bas, c'est la guerre. Bon, on s'est replié un peu avec Dada parce que ça devenait grave. Il a fallu se prendre une grenade, un truc de dispersion, là. On a cavale. Ils ont fait comme la fois... ils ont laissé rentrer, ils sont repassés de l'autre côté, ils nous ont pris un sandwich. Ouais, mode reporter, toi. Va rentrer, il y a plein de gilets jaunes dans la rue là-bas. Voilà, ils sont en train de monter des barricades. Les gens sont déterminés, ils sont déterres. Et ils vont venir avec les canons à eau là. Ça chauffe là-haut. Un radar à vélo, vous avez déjà vu ça? Un radar, voilà, flasher les queues. 135 euros à chaque queue. Yes. Yes, vous flashez les queues. Ah ouais, au top. À 200 mètres de la guérilla, la vie normale. Retour. Ma journée quoi, j'étais venu pour être tranquille, peinard, défiler sur les Champs-Élysées et c'est le gros boxon, on se fait canarder de bombes lacrymo, les CRS on n'en a rien à battre de nous et pourtant on leur fait rien, moi j'ai rien et non c'est capable. Allez les gilets jaunes, il faut pas lâcher l'affaire parce qu'on va les avoir. Si on lâche l'affaire c'est la honte internationale parce que le monde entier a les yeux braqués sur nous, même aux États-Unis. Anto il avait motivé, il avait plus de petites pattes, mais c'est celui-là qui a montré bien. Ouais, c'est moi, je suis... Hein? Dada garde de la batterie et de la mémoire, t'inquiète pas, il y aura des choses à filmer là-bas. Ouais. Ouais, Macron démission, les gars. Macron démission, c'est bien. Ouais, faut que ça soit Macron destitution. Démission, on s'en fout, on joue plus sur les termes. Voilà. Voilà, on va rester, essayer de rester bien groupé quoi. Ça sent bon. Ça sent très mal ici. Non, parce que ça sentait le chichon. Hein. Basta. Un radar à vélo. Ça c'est génial. Oh
Original, original. Attention là-bas, c'est la guerre. Le radar, la loi c'est moi. Voilà, faut flasher les keufs. Eh, faut flasher les keufs. Ils sont gentils les keufs. Flasher les gilets jaunes. Je vais gagner plus de deux. Non, c'est égal. Ben oui. Bon, allez, je vais circuler avant, avant que ça me coûte à moi 135 balles. Eh, fais attention avec le vélo et tout. Allez, courage. On va retourner dans la souricière là-bas. Un peu au milieu de la route. Mais c'est mais c'est plus c'est debout, je sais pas c'est genre donc on est en train de remonter vers l'Arc de Triomphe en compagnie d'Anto Tekao, le féticheur de Côte d'Ivoire, le fétiche maman cocotérien, toujours prêt, moi Robert Nestamérine, ça déconne là. Je suis le petit chat. On a venu pour enlever ma peau. On essaie d'avancer ou quoi? Ouais, non. T'es en... en mode reporter. Ah, ouais. Et moi donc? Ouais, ouais, en mode reporter, mais pas en direct, moi. Ouais. Si je peux pas faire en direct. Reporter. Attends, tu peux répéter ça? Franchement, là-bas, là, je sais pas quel quartier c'est, je sais pas quel bordel c'est. Il y avait 5-6 voitures qui étaient en train de brûler, mon frère. Je l'ai mis sur le live. C'était n'importe quoi. Et là, les gens... Les gens sont arrivés, après ça commence à gazer, voilà, les gens dès que ça commence à gazer, ça s'espère. C'est vrai que c'est quand même chaud quoi, les lacrymos ça envoie quoi. Ça pique, hein, mais on est là quoi. Yeah. Lâchez les gars. Là pour représenter Nîmes. On représente Nîmes. On représente le peuple. Voilà, faut pas lâcher. Hein. Je vais retourner, c'est là-bas que ça se passe. Même ça tu pètes, tu pètes ça. On ouvre les gens, n'importe maillot. Ah, vous voyez des rassemblements de gilets jaunes. Ah, nous on vient d'arriver là. Et on. Voilà quoi. Là-bas, il y a une armée de CRS. Ils bouclent tout. On ne peut pas aller aux Champs-Élysées. On ne peut pas aller à l'Arc de Triomphe. Là-bas, c'est un peu la guérilla. Il y a beaucoup de casseurs. À ce qu'on m'a dit, je n'ai pas pu aller là-bas. Donc voilà. Donc les gilets jaunes se sont fait. Repoussé, refoulé vers ici. Et... Apparemment, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Et voilà. Voilà, là, on est à Porte-Maillot. Donc, vous voyez au loin, tout au bout, c'est l'Arc de Triomphe.